Si vous prenez le bouton droit de la souris en enfonçant la touche Shift, vous devriez arriver à tourner les objets sans qu'ils penchent comme ça. Mais là, voilà, ils sont penchés, donc je vais devoir utiliser l'outil pour revenir en arrière sur le mouvement de caméra que je viens de faire. Donc, clic droit, en enfonçant Shift, voilà, j'enfonce Shift et j'arrive à les tourner et le plan sur lequel les objets reposent, ce plan correspond bien au plan qui est dans l'image. Donc c'est la touche Shift, et si jamais vous avez foiré, je vous rappelle, vous annulez avec cette icône là spéciale, puisque c'est pas une annulation par édition annulée, parce que ça c'est quand on modifie les objets, mais là c'est pas les objets qu'on a modifiés, c'est juste l'angle de la caméra sur les objets, donc c'est ici. Alt, non, la roulette pour s'approcher des objets éventuellement. Alors au niveau de l'éclairage, ok, c'est pas mal, mais je ne suis pas hyper convaincu par ça. Je vais quand même ajouter un éclairage là-dessus, parce qu'on est en contre-jour là. À moins que j'essaye de mettre une autre image, peut-être la toile de fond citadine. Et je redemande adapté à l'image. Ok. Voilà.